bonjour et MinecraftTien, ici c'est LB35 pour un nouvel épisode de Minecraft vous êtes offert qui non seulement est nouveau et en plus ce dernier est un Joff à enfin Skype mais pas de micro donc ça sert un peu à rien, enfin il nous entend c'est tant mieux et donc il dit bonjour parce que ce n'est pas un hyper impoli de la mort qui tue. Donc aujourd'hui on est avec un Joff qui est en classe 3 en or au WTF et Mr. Fanax et c'est le dernier et j'aurais bien aimé qu'on soit plus nombreux sauf que tout le monde est connecté mais tout le monde me raccroche au nez quand je les appelle. Je suis mad bro. Bon c'est pas grave. Bonjour quand même. De toute façon à la fin des vidéos il y aura un hommage à l'intégralité des membres et puis... Et bref vous l'aurez compris c'est le dernier épisode. Le tout dernier de la saison 2. Il y aura une saison 3 qui devrait débarquer en même temps que la 1.8 si tout se passe bien. Faudrait que la 1.8 tarde pas trop par contre. Au pire si elle met vraiment trop de temps on commence la série en 1.7 et puis là on remarque... Pourquoi il va chercher de l'eau? D'accord. On dirait un conte à l'apéro. Va chercher de l'eau à la fontaine du village. Enderman. Ah c'est dans l'End alors. Putain ta chance t'as tout fait rater. Je sais tout maintenant sur la petite surprise. Oui parce qu'on a avec Tinjoff on a beaucoup bossé sur Under et puis on fait une surprise à... Oui il aurait su très vite de toute façon. Alors donc on va se rendre dans l'Under. Mr. Fanax, j'ai encore une TNT, un Flint and Steel. Fais gaffe avec ça. Allez bon, bref. Bah, tu es résistant à la dynamite, hein, c'est une bonne nouvelle. Bon, alors du coup. YOLO. On va faire le même chemin, hop, 1, 2, donc là il y a moins à compter que sur épisode dragon, qui d'ailleurs est sorti hier, au moment où je tourne la vidéo, et qui a eu des retours absolument magistraux, il y a eu 22 vues en un jour, je crois que c'est une première. Ah là, c'est épique les dragons. Par contre, je me paume d'endroit, c'est Mr. Fanax qui a raison en fait. Et ouais. En même temps, c'est mon passage. Hein. Tu nous suis, Tinjoff? Mais oui, c'est bon, il nous suit, Tinjoff. Bon chien. Bah, il n'a pas de micro donc on le traite comme on veut. Non, je plaisante. Je ne suis pas raciste. Même pas envers ceux qui n'ont pas de micro. Et encore moins envers les Esquimaux. Et encore moins envers les Indiens d'Amérique. Et encore moins envers... Non, je vais pas faire la liste de toutes les races qu'il y a sur Terre. Parce que... J'ai quand même. Hein. Bon. Par contre, j'ai un peu de brouillard, ça me dérange un peu. Pourtant, 16 chunks de render distance. Peut-être que si je diminue un peu. Ah bah ça marche beaucoup mieux, bizarrement. Peut-être que mon PC est pas assez puissant. Je fais du 13 FPS avec un shader, donc si j'optimise un peu, je pense que je pourrais arriver à 20 FPS. Si vous voulez vous taper MVO saison 3 à 20 FPS, mais que ce soit beau, vous me le dites. Et si vous me demandez d'aller me faire enc, eh bien tant pis pour vous, je n'irai pas. Bienvenue dans l'End. Aménagé en mode créatif par CLB et Tinjoff, surtout Tinjoff. Place à la torche sacrée sur la roche de l'End. En plus, il y a un scénario, il y a des aventures épiques, il y a une map aventure intégrée. Ouais, exactement. Non. Si, en plus. Je me vide mon inventaire. Il y a juste un crafting table qui passe pas maintenant. Allez. Voilà, la torche magique est ici. Que la magie soit. Et la magie est. What the fuck. Et... C'est comme Excalibur en fait, tout le monde tente sa chance. Ah bah voilà. On voit pas grand chose d'ici mais c'est magnifique. Oh regardez ça quoi. Tiens moi je veux voir le feu d'artifice, monter, monter. Waouh, c'est beau. Là jamais. Ah, et voilà, on a fait ça pour fêter la fin de la série. Bon. Et on a tenu à rendre hommage sur cet escalier. Tous les membres de la team. RQ, moi, Mr. Fanax, Tinjoff, El Diamond, Ben 13, Tangax, Sodovakin 53, Falaval et Démon 3X. Merci à eux pour tout ce qui s'est passé dans cette saison. Il y aura une saison 3, j'espère qu'ils seront tous là à participer à cette nouvelle saison. Et maintenant place au feu d'artifice made by CLB. Et merci à Tinjoff qui a pris une demi-heure pour nous faire ce magnifique système. Oui. Oh,
Sérieusement? Oh bah, bah merci, hein. Ah, un wizard boss, ça. Bon. Pour savoir s'il nous reste à faire. Pour les distraire. Le créateur nous a parlé. Le créateur? Genre Dieu quoi? Waouh! Notch, bah dis le chat au moins! Oui, oui, ça me paraît logique, mais. La prochaine flèche, il va au sol. Prends ça! Ah, tu me tapes moi! Connard! J'ai plus qu'à le moteur! GG! Ouais. Allez. Allez, on y retourne. C'est pas un problème. Excalibur forever. Oh là là, cet épisode final, n'importe navouac. Bon, par contre, on pouvait pas le faire un autre jour, donc désolé pour tous les membres qui ne sont pas là. Que moi et Fanax, on s'en va demain. Eh oui. Le même jour, c'est une coïncidence. Hein. Coïncidence. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est pas vraiment une. Pourquoi tu m'as contaminé? Enfin bref. YOLO, me voici dans l'end. YOLO, me voici aussi dans l'end. Je suis le créateur et je vous impose un nouveau combat contre Under Dragon. Sage Summon. D'accord. Ça va? Ça te suffit? Ouais, c'était mieux quand il y avait plus de monde quand même. Hein. C'était un peu plus safe. Bon, par contre, là, du coup, il y a un ou deux dragons? Je sais pas. Et il y a le Wither qui se balade encore, non? Ah, c'est, bah, c'est moi qui l'ai summon. C'est le Wither, non? Les bruits d'explosion, c'est un jeu qui le fait. Il a tué. Ouais. Bon, maintenant, il nous reste un dragon à combattre. Et viens la sale bête, non? Le programme des festivités part un Joff. Un deuxième combat contre le dragon dans cette série. Dans l'Under aussi. Plus de flèches! Bien, tu n'as plus de flèches! Ah tiens, j'ai un stack sur moi. Poupidoupidou. Le dragon il ose pas. Avec la vision, on voit partout, c'est ça qui est bien. Ouais, puis ça donne un effet. Hein. Un effet bizarre. Un effet rose. Ouais, coloré. Après tout, ça concorde bien avec le Nyan 4. C'est et l'arc-en-ciel, ouais. Ouais, voilà. Attention! YOLO! Bon, par contre, il a fallu bricoler les commandes pour que la machine marche, c'est un peu dommage. Oh non, mais. Oh gauche. On en a pour un certain temps là. Oh droite. Oh. Attention. Qu'est-ce qui est gracieux quand même. Il a beau être cubique, il est hyper gracieux ce dragon. Mmh. Bon, Notch a pas été sympa, je veux dire, on a déjà battu le dragon dans cette fucking série. Oui, mais Notch il s'en fout. Notch il a une soirée popcorn à meubler. Je suis sûr qu'il est là avec son enregistreur. Bah écoute, s'il a pris le contrôle de mon frappe par la magie des ténèbres, c'est un vilain monsieur. Comment ça, je vais me faire bannir dans le monde distorsion si je continue? C'est dans Pokémon ça. J'ai envie de me retrouver avec Gératine. Hein. J'adore la façon dont on le touche une fois sur 100 quoi. Heureusement que j'ai un arc infinite, parce que sinon. Ouais, moi aussi. Bien loin. Et moi, Unbreaking en plus, donc c'est pratique. Infinite, j'ai réparé 104, donc ça. Ouais, et je l'ai réparé, j'ai renommé Baum. Moi, c'est Meurtrier. Oui, parce que j'avais aucune inspiration à ce moment-là. Pourtant, d'habitude, tu as beaucoup d'imagination. Ouais, mais celui-là il s'appelle Meurtrier. Pourquoi pas Mortier? Bon.
vais me fermer ma gueule, moi. Parce que mes blagues font juste le public. Pas de pouce rouge sur un épisode final. Pas de pouce rouge. Alors par contre, si quelqu'un met un pouce rouge, c'est impossible que quelqu'un mette un pouce rouge, c'est irréfutable. Et n'essayez pas de le réfuter, je vois que vous essayez de le faire en mettant un pouce rouge. Tous ceux qui mettront un pouce rouge seront identifiés par leur IP et seront bannis dans le monde distorsion en les excluant de la chaîne. Ils se retrouveront dans Under avec un Yen Cat, un arc-en-ciel, un hommage à tous les membres de la team, une machine de Tinjoff et un Under Dragon. Waouh. Surtout, c'est surtout le Nyan 4 qui fait flipper en fait. Se retrouver avec un Nyan 4 pendant 10 années. Pour l'éternité. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait Nyan 4. Il y a du mal. N'en parlez pas. Bah nous, on a passé une demi-heure avec ce Nyan 4 hein, après que j'ai construit. Oui, mais le pire c'est s'il y a la musique. Eh bah écoute, je le mets au montage pour les viewers. Ça manque quelques secondes par contre, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des hôpitaux psychiatriques dans l'Ender? Bref. Bon, j'espère que Music Nyan 4 s'est arrêtée là par contre, parce que sinon mes pauvres viewers, je veux dire. Oh bam. Ah bah non, pas bam. Ah oui, il a été coincé par son pseudo et nous aussi. Ah, il fait demi-tour. Il va s'approcher. Il fait des figures aériennes en plus. Il fait des figures aériennes, oui. Tonneau, vrille. Double vrille. Et non, là c'est la fin pour lui. Et le combat aurait été plus rapide avec moins de joueurs que lors de l'autre. Alors là il a battu deux fois d'affilée des ailes, c'était assez chouette. Et bam, j'ai mis le coup final. Dégage. Et donc là qu'est-ce qu'il est censé dire le créateur? Il vous emmerde le créateur. LOL. Viens là, vous m'avez pété un dragon, vous allez le rembourser. Oh mince, je suis en dessous du portail, lol. Bah ça nous fait beaucoup plus de stuff pour les enchantements, bien que ce soit l'épisode final et qu'on ne va rien changer depuis. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le fameux Joris, en gros sur la colline. Ah mais Hollywood. Oui, passons Hollywood, ouais. Rien que pour le soin. Donc on a deux portails, c'est original. Ah oui, et sa maison, il a aussi fini sa maison hors caméra. Ah oui. YOLO. Et c'est moi qui ai mis le coup final au dragon, cette fois-ci, on sait, hein. Voilà, donc... pourquoi j'entends encore des Undermen alors que je suis sur Poème de l'Under? Oh, tu m'en... Voilà. Alors là, il va y avoir un débat. Mettez un ralenti sur la vidéo. Est-ce Tinjoff, STLB, qui a mis le coup final à l'Under Dragon? Les paris sont ouverts, etc. Par le bla. En tout cas, c'est pas moi. Je sais que c'est moi, j'ai bien vu. Et le magnifique Joris de Mr. Fanax. J'arrive pas à sauter. Oui, bon, Tinjoff, c'est moi, j'ai vu. Hein. Joris, je vais te tuer. Bam, sérieux? Une flèche dans le J. Une flèche dans le haut. Une flèche dans ta face. Et c'est parti pour le Nawak. Parti pour le Nawak. Ouais, non. Je vais crever de mes brûlures. Le PVP. Ah, il me reste 5h30, 2 coeurs. Oui, d'accord. Baum. Avec Baum. Ouais, bon, niveau inspiration, hein. Bah écoute, j'ai toujours dit que t'avais plus d'inspi que moi alors. Ah oui, avec meurtrier. Bon, j'aurais dû l'appeler Kalachnikov ou. Ou fusil à pompe. Allez. Plutôt bien rendu. Et je déclare officiellement que Joris va se réincarner dans un nouveau monde. Joris doit quitter cette partie pour revenir dans l'autre. C'est pourquoi je vais m'amuser à loger une flèche entre les deux yeux de Joris. A bientôt, Joris. A bientôt, Joris. Il me faut la fleur, il me faut la fleur. Sinon, ah, j'ai pas le réincarner. Le... Ah, il faut que je renomme maintenant que j'ai de l'expérience. Sérieux? Waouh! Wow. Dragon. Ok. Copyright dessus.
Voilà, 32 levels pour rien. Ça fait plaisir. Il est en supériorité. Et il m'a eu avec son truc de dragon. Boum! Tâtez un peu de mes nouvelles armes, forgées dans le feu des enfers. Quoi? Qu'est-ce qu'il a comme arme? Il a swag dragon. Un truc absolument cheaté, j'imagine. Oui, le swag de dragon, je veux dire, c'est un triple shot avec mon armure en diams. D'ailleurs, en parlant d'armure en diams, tu as l'air absolument ridicule. Putain, pardon. Boum, Excalicube! Ah, Excalicube, Dieu. C'est une pâle copie. En parlant de Boom et Skycube, moi j'ai eu mon Bow qui s'appelle Baum et mon Skycube 2. Voilà, j'ai plus qu'un cœur. C'est LB, pour te faire abattre avec un truc comme ça, tu dois vraiment être mauvais. Oh gosh. À droite. Anarchie totale. Pourquoi j'arrive pas à tuer un genre? Pourquoi Parce qu'il est un peu cheaté. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Il a peut-être tapé quelques commandes. Oh. Qui c'est? Les coffres. Pas pour vous déranger, mais il y avait pas un truc en diable. Eh tiens, d'ailleurs. D'ailleurs. On va finir le diamant. Bon, alors je casse la balise. Absolument aucun respect. Et bah écoute, XP, soit tu l'as pas, mais tu choisis pas entre les deux. Oui, non, mais les concours des PGT, ça va bien 2 secondes. Et voilà, j'ai fait un monument à Joris. Avec la fleur qu'il a lootée. Bon, là, on est en full PVP. Et c'est moi qui l'ai eu, il m'a enlevé que la moitié de ma vie, ce qui fait que mon épée Excalicube 2 est plus puissante que sa flamme du dragon. D'ailleurs, je devrais changer d'armure. Excalicube ! Bah c'est infidèle ! Et bah Excalicube 2 a triomphé d'Excalicube 1. Ah oui, bah, je trouve que c'est pas une... Je sais pas, mais en même temps, j'en ai marre de tous ces items renommés. Ouais, ça paraît logique. Flamme du dragon, parce que c'est... Il lance des boules de feu, en quelque sorte. Protection 2, Unbreaking 1. Tense 1, tiens. I will kill you! I will destroy you! Tiens, le plastron est foutu. Tiens, j'ai un plastron tout neuf. Tense 1, protection 2. Coucou. Coucou le lag du serveur à propos. Vous ne pouvez rien contre moi, j'ai plus de stuff que vous, lol. Ouais, c'est le moment de se crafter une nouvelle armure. La map doit être sauvegardée. La map est sauvegardée. Vous voyez cet élevage de poulet, hein? Vous le voyez. C'est la fin de MVO. La fin de MVO, tout est sauvegardé. Adieu MVO. Adieu. Adieu Minecraft, vous êtes offert, saison 2. Déjà, je tue tous les poulets. Tu étais si fun. Bon, bah voilà. Tu étais si inintéressant pendant tes périodes de farming, mais aussi si drôle avec Diamond et son ukulélé. À qui je rendrai hommage également pour la fin de cette série. Sous l'océan. Sous l'océan. J'ai tué plein de poulets, mais le steak a pas pu être cuit sous l'océan. Parce que sous l'océan, il y a de l'eau. On peut pas faire cuire des trucs dans l'eau. Je pense que vous devriez le savoir quand vous avez l'âge de regarder des vidéos sur YouTube. Ouf. Oui, c'est du lourd, hein, mais bon, hein. Je fais jamais les choses à moitié. L'incinération, je juge que c'est dépassé. Donc, pour l'enterrement de Joris, on va utiliser la... Comment on va appeler ça? L'atomisation? Oui, bon, là... Oui, là. L'atomisation, oui. Allez, boum! Atomisation de Joris.
Hop. Destruction totale, TNTisation. Vous le voyez, cet élevage de poulet, vous le voyez. Bon bah toutes les poules s'enfuient, mais bon c'est pas grave, tout va péter de toute façon. J'ai jamais vu autant de cadavres de poulets en même temps. Adieu Joris, bon bah t'as tout fait péter. Oh là là, j'ai jamais vu autant de cadavres de poulets en même temps, c'était juste épique. Tout ça est fort adorable. Vous voyez le grinder? Je me suis bien fait chier à le remettre en place, et il a rien donné. Mais si, 2-3 trucs. Bah, moins que celui des diamonds, ça te monte le niveau. Ah et d'ailleurs, la maison elle a jamais été meublée. C'est l'instant déco. Les meubles en TNT, c'est parfait pour s'amuser. Avec un briquet, on peut tout faire péter. Les meubles en TNT. Ça me dit. Ah mince, j'ai encore oublié. Bon. Ah c'est vrai, la maison de Tinjoff. Il faut savoir meubler avec des meubles en TNT. Adieu Grinder, je t'aimais. Tinjoff, nous avons un avis de démolition. J'ai un permis et tout. C'est légal, il paraît. Mais si, Tinjoff, c'est légal. Ah, je me demande si... Non. Dommage. Je suis extrêmement déçu. L'aquarium. Elle est très belle, la maison de Tinjoff. On va quand même la regarder, là. Oh, tiens, du fric, on s'en fout. Bon. Vous voulez allumer la lampe? Vous remarquerez un peu le style architectural un peu médiéval. Et d'ailleurs, jetez un coup d'œil à Poulpi. Qui nage dans son aquarium avec son magnifique name tag. Bah, il est plus là. Ah si, il est là. Si. Bah, il est plus là. Quoi? Adieu, Poulpi. On t'aimait. Non, Poulpi. Eh, attends, il est où? Ah, mais non, il est vraiment mort. Ah. Il est vraiment mort pour de bon. Merde, j'ai tout inondé. Ta maison. Bah, désolé. Bah, t'as plus de maison, donc... Ce sont des choses qui arrivent. Écoute, on va sauvegarder. Hein. Je veux venir voir pour la nostalgie. Oh, la maison à poulet de Joris. Tiens, attendez. Attendez. Eh, mais oui, j'ai une idée. On va faire de la destruction massive. Alors, on va prendre un petit stack de TNT. Ah, je sais ce que tu vas faire. Cette Et on détruit la maison des 4. Attends deux secondes. Attends deux secondes, Tinjoff. Attends deux secondes avant d'activer ça. Ok. Attends deux secondes avant d'activer ça. Attends deux secondes avant d'activer ça, je te dis. Non, tu ne serais pas capable. Et si. Il en est capable. Ça va. On n'a pas touché l'usine à poulet. Bon, par contre, il n'y a plus de chemin. La maison des 4, c'est morte. Je voulais détruire en dernier, mais bon, c'est pas grave pour la mise en scène. Hein. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai cassé le circuit, j'ai essayé de le remettre au pif. Au pire, vous savez ce que j'en pense, moi, de tout ça, je vais... Ah, mais oui, normal, il manque un comparateur. Je suis con. T'es comparateur. Ça risque pas de se mettre en marche. Hop, purée. Hop. Il va se passer des trucs bizarres dans pas longtemps. Au revoir. Bon, bah, ça s'est auto-détruit, dommage. C'est auto-détruit, bah ouais, après. Oh non! J'ai fait disparaître pistolet à eau. Slash meurtrière. Et d'ailleurs, bon, on va détruire l'emblème de la MC4 rip, Team. Hein. Rip le blé, rip la maison. Et rip la MC4 Team, boum! Ah non, pas rip la MC4 Team, attends, j'ai encore envie de faire des vidéos sur la MC4, moi, au pire, je m'achète perso, mais bon. Allez, hop, on met de la TNT partout, boum! C'est la fin. C'est l'apocalypse. Il y a que les lettres Joris qui vont rester. C'est le LOL. Bah justement, tu m'y fais penser, tiens. Non. Ah si, bon, ça va alors. Les enfants, pour rajouter un étage à votre maison, rien de plus simple. Il suffit d'ajouter quelques kilotonnes d'explosifs qui feront office de briques. What? Joris en TNT? Ouh, ça sent la destruction massive. Et il ne reste presque plus rien. Le champ de Netherwart. Attention, Joris. Attention, 3, 2, 1. RIP. Joris.
J'ai bien scream. Voilà. Elles sont comme un bloc. Ah, il est pour moi. Voilà. Bon. Bon, la construction inutile des invités. Rip, mais bon, ça, on s'en doutait un peu. Ah là là. Et d'ailleurs, dans le Nether, il reste toujours 2-3 constructions, Nico. Tu vas voir, tu vas voir. Oui, il reste 2-3 constructions, enfin, dans quelques secondes, il n'y en aura plus. Il y a même une petite fontaine, c'est vraiment adorable. Où ça? Là-bas, une petite fontaine depuis le début, je sais pas vraiment à quoi elle sert. C'est un gars qui s'est fait ça dans l'épisode 11. Oui, c'est mignon. Mais bon, on va un peu éclabousser, faites attention les enfants. YOLO. Alors... Ah, d'ailleurs, le portail du Nether est toujours... ouais, il est toujours là. Bah évidemment, c'est de l'opsy. Ah bah mince. Non. Hop. Oh là là. Eh bah, je suis content que tu aies pas vu avant, t'as un genre, parce que t'aurais tout changé. La petite construction à boire. Ah on est en game mode. Ma maison à moi. Bon. D'ailleurs la cave, hein. Elle est très jolie. Hein. Et il y a lui. Une bibliothèque. Hein. Brûlons la bibliothèque. Et les jukebox, hein, qui servent à rien. Non, sérieux. Adieu. C'est pas moi, j'ai activé TNT, mais c'est pas moi qui t'ai exposé à rien. Purée. Et en de plus, squelette. Mon... purée de squelette, comme dirait un chef. Cette réplique est devenue culte. Enfin, purée, poudre. Pour être non, exact. Non, la réplique culte, c'est purée de squelette. Oh tiens. De la map des MC4, il ne reste qu'une chose, le bloc de commande. Tu veux un kebab? Exactement. Ah, exactement. Détruit. Parce qu'on a absolument aucune pitié, c'est la fin de tout. Ah, il reste encore la cave. Quelle cave? Oh, la pauvre. Alors, on entrait par là dans la maison. Je rebouge derrière moi, hein. Faut pas s'inquiéter. Hop. Je sens que là où je suis, ça va péter dans pas longtemps. T'as raison. Là, je suis tout en haut au niveau du portail. Ne vous inquiétez pas. Je suis au niveau du portail du Nether. J'entends des bruits d'explosion, on va monter jusqu'à moi. On peut pas sortir, tout est condamné. Ah. Oh, sympa, il y a plein de minerais. Le minage bourrin. Mais bien bourrin. Ah. Oh, il y a même des galeries. Il faut condamner les anciennes galeries pour la sécurité de la population. Je suis un zombie. Oh, de là. Les anciennes galeries. De la musique. Bon, j'arrête ça. Bon, écoute, avant que tout soit détruit, moi j'arrête ça. J'ai obtenu un succès. J'ai obtenu chasseur de monstres en plus. Magnifique. Monster bah, je pense que la map est à peu près morte là. Qu'est-ce qui pourrait rester? La machine à CD de Ben 13. Oh là là. Bon, moi je continue à combler quelques galeries qui restent. Eh tiens d'ailleurs, la forteresse. Ah oui, tiens, la forteresse du Nether aussi qu'on a fait. Ouais, mais elle est loin. Ouais, par contre, je sais plus du tout quel couloir conduit à la forteresse de l'Ender. Moi je m'en souviens. Forteresse de l'Ender. Ouais, mais le problème c'est qu'il n'y a plus vraiment de couloir en fait, c'est un peu dans tous les sens. Ah non. C'est bon. C'est parti. Tu as la forteresse du Nether. Moi je vais à l'End. Enfin, ah oui, moi je vais à la forteresse du Nether, vite fait. C'est un peu là, loin, moi, mais bon. D'accord, hein. Si les Undermen ont envie de faire des réclamations, ils les font. Mais en tout cas, on va tout faire péter. Moi je vais à la forteresse du Nether que je ferai également péter en partie. Sous l'océan. Sous l'océan. Nanana, voilà. Nanana. N'essayez pas de me rejoindre dans l'End. YOLO. Ah mais le portail est indestructible, donc c'est un peu hola. Donc c'est un peu hola.
C'est un peu haut là. C'est un peu bas là. Vous avez raison. Il est temps de vous venger. Voilà, bon. Désolé pour le bruit de Camille. Camille 3 heures à être fait, mais bon. Hein. Aucune pitié. Et surtout pas de pitié pour les chats multicolores avec des arcs-en-ciel qui leur sortent du cube. Il sait être poli tout en étant vulgaire. Je crois que c'est le seul de la Terre à savoir faire ça. Ah ah, like a boss. Bon, bah voilà. Plus de Nyan Cat. C'est ce que je lui dis au Nyan Cat. Toy. Exactement. Mais c'est moi qui ai construit, enfoiré. Oui, bah Dieu a bien fait le déluge, donc tu peux atomiser le Nyan Cat, non? Ça me semble logique. Bah tu sais, oui, Dieu a détruit sa création. Donc voilà. Sauf que le problème, c'est qu'on est sur YouTube, donc on va être censuré parce qu'on parle de religion, donc... Oui, bon, on a déjà parlé de Vénéré Notch. Oui, bon, ça, c'est pas une vraie religion. Ah bon? Non, et je suis arrivé à Forteresse, à propos. Ah, sympa. YOLO. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus de TNT. Tiens, bah moi, je suis revenu dans le monde normal. Fail. Sympa, cette petite map. Sympa. Adieu, Forteresse du Nether. Bim. Ah bah l'EPS fini dès qu'on a fini de tout exploser. Ah tiens, ça s'amuse ici. En tout cas, c'est sympa par là. Bah, il y a plus grand chose, il reste la forteresse, écoutez. Ah mince. Il est temps de sortir. YOLO. Je remarque que cet épisode est excessivement long. En même temps, il en fallait pour détruire une map. Et ben voilà. Et ben voilà, tout s'est détruit. Et donc sur ce, place. On lançait Redstone. Réplique à la con. Et maintenant. Non. Ah ouf. T'as pas le droit de faire ça. Si, j'ai tous les droits. Bim. Et donc sur ce, place un dernier hommage pour tous les membres qui ont participé à cette saison, donc tous les membres de la team sans exception. Un petit montage que je ferai. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit épisode bonus fin de la série. Merci à Tajov pour le système, merci à moi pour le building dans l'under. Donc sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB. Joris Forever. A bientôt pour la deux. A bientôt pour la saison 3. Salut. Non, je vais mourir. Au secours. Non, tu joues très mal. Allez, au revoir. Au revoir encore. Oui, mais il reste encore ça. YOLO. Destruction massive. Destruction. Ah. Ouais, mais attends, je suis en train de tuer du cochon. Ouais, moi, il y a un cochon juste là où je suis. Donc, c'est chiant. Donc, c'est chiant, c'est le début. Donc, j'aurais Minecraftien ici, c'est le B35. Et mince, j'ai pas prévu à l'avance. Faudrait que j'y pense avant d'appuyer sur la touche 3. Bah. Mince! LOL XD MDR. Ceci est une honorable table enchante. Ceci est une honorable table enchante. Oh là, il y a encore le délire de CLB du mercredi qui est en train d'être posté. Soit 65%, 54 minutes restantes sur 3 heures d'upload. Ma connexion est merdée que j'en ai marre. Avec pas mal de monde. Les habituels Falavo, des Montroixiens et Dovakiniens. Il y a une flèche dans le lit. Like a boss.
4h30. Hein. Non. Ça va, il est pas tard non plus. Hein. Voilà. Nouvelle saison, je m'abonne à la chaîne de CLB. Ouais, bonne idée. Donc voilà, comme vous c'est ce avez que remarqué, je suis en train de faire, Thomas. Comme... Ah, ben, comme vous l'avez remarqué, on est en compagnie d'Eldaemon, le fou furieux. Plus et salut les filles, parce que sinon il y a encore des féministes qui vont gueuler. Ou pas. C'est clair. C'est qui déjà? Ukulélé en fait. Il se met au ukulélé. Eldaemon est capable de tout. Je vous avais prévenu, hein. Enfin, je crois. Attends. Il l'a fait. Sous l'océan, sous l'océan, les requins te bouffent, les coquillages te coupent sous l'océan. Et sous l'eau tu survis à peine, sous l'eau tu survis à peine. Quelques secondes sans oxygène, tu vas crever si tu restes trop longtemps sous l'océan. Je te vois, Fanax. Ouais. Espèce de méchant monsieur. YOLO. Ah. Rejoins serve. Ok. Vous êtes sur la vidéo? Ouais, on est sur la vidéo, on est sur MVO là. Vous, petit coup de bienvenue. Aïe. T'es méchant. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai ça. What is the fuck? Eh, hey, mais il a des diamants. Reviens avec le diamant, ça. Voleur! Le diamant! Oh bah! Oh non! Oh non! Non, pas bon. C'est le règlement, je crois. Je sens que CLB est en train de. J'allais dire, je sens qu'il est en train de me marquer. Donc, Démon 3X a trouvé des diamants. Pas mal. Donc on a pu faire donc ça fait vraiment contraste entre le diamant chase plate et le laser boot. C'est et vous avez pas un peu n'empêche que l'idée c'est moi, hein. C'est toi qui m'as donné l'idée de chercher une idée, mais c'est moi qui a trouvé l'idée. Oui. Tu serais un bon prof de philo, toi. Je suis pimp avec ma couronne. Oui. Bonjour les Minecrafters, ici CLB35, le changeur de nom. On se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft vous êtes offert, assez spécial car c'est le 10e et ça se fête par une nouvelle maison comme le timelapse de 5 bonnes minutes que vous venez de voir. On est avec pas mal de monde, les habituels Falavo, Démon 3Xien et Dovakinien. Comment tu m'appelles là? Sure. J'avoue, il m'a appelé Falavo. Falavo, je parle à Vapo. Je plaisantais. Donc vous avez vu une nouvelle maison car on est de retour sur Minecraft vous êtes offert la série multi. What the fuck. Mais ouais, pas c'est si un c'est invisible Ben... Je sais pas si c'est Ben 13. J'ai utilisé le compte de Ben 13 pour faire les timelapses là. Je peux me mettre en normal. Bah ouais, voilà, c'est mieux. Chevalier à l'épée en bois. A été remplacé par les coquelicots. Oui bah ça. Dites-moi vos jungles. Bonjour les Minecraftiens, ici c'est CLB35, l'enchanteur. On se retrouve... Enchanté. Si, tu non, non. Mais c'est passé où? C'est qu'on a arrêté avec les chansons. Bah, c'est plus fort que moi. Je coupe du bois. Ah. Like an Enderman. Enderman. Hop. Like an... Ouais. Oh bah. Avec Kara. Ton serveur est un salopard. Faire des golems de fer. Moi aussi j'aurais des cônes. Eh oui, on a mis des heures pour faire ce stock de fer. Comment ça tu as fait un golem? Toujours avec les poulets, Joris, l'ami de la nature. Rien qu'assistant d'un savant fou russe, Joris sait prendre du bon temps et parler avec ses amis poulets. Mon idée. Et merde. Oui, c'est l'idée de Tangax, j'ai tapé, je dis. J'adore. Alors, attention, c'est moi qui tape la commande. Ah, tu mets bye Tangax. Okay. Attends. 7, tu me files des panneaux. 100. Relance le record. Donc finalement cet épisode n'est non pas l'épisode 11 mais un épisode 10. Mais j'aime. Mais avec la Non, je vais mourir. Avec la voix de merde. Ah non, OK, non c'est bon. Alors TNT. C'est qui ça? J'ai cru voir quelqu'un. Il y a quelqu'un ici. Il y a un intrus ici. Oh. Un immigré. Mais... Ramasse ce quartz. Il est où?
Monsieur, qui êtes-vous? Papier, s'il vous plaît. Vous avez un passeport au moins? Je l'ai des passeports, moi. Oh là là. Ouais. Bah yo. Je suis un invité surprise. Ouais, un invité surprise. Ouais, un immigré sans papier. Ouais, ouais. Un immigré surprise, voilà. Immigré surprise. Tu sais ce qu'on en fait, les immigrés surprise? Non. Mais j'ai pas envie de savoir. Attends, mais je suis vraiment plus inventeur de... Je pars en croisière. En quoi? En croisière. En croisade, plutôt. Oh merde. Bon bah, je suis pas parti en croisière longtemps, mon bateau vient de casser. Croisade, on t'a dit? Enfin, croisade, c'est la guerre. Bon, je vais faire... Zombie, cochon, zombie. Je tue un cochon zombie. Évite. Trop tard. Bon bah, maintenant ils sont mad, alors... Ils sont mad, hein. De qui? Je sens que je vais le regretter. Ça la va la taper des pigmen. Ils sont mad, hein. Je sais pas, mais... Non. Ah. Oh pardon. Mais je vois rien. Mais taper moi. Mais t'es sérieux? Moi je suis pas à blaze, je suis pas à blaze. Mais je te one shot. Oh là. Le stuff. Falaval, arrête de mettre des blocs partout là. Tiens, c'est le B. Ça devient... Mais non, mais Falaval, arrête, tu vas me tuer. Là, c'est Falaval le fautif. C'est un fiasco complet, cette expédition. Oui, oui, c'est Falaval le fauteur de troubles. Moi, je dis, faut le quitter. Aime mon œil. Différent. Moi, je ramasse tout et puis je ferai le tri après. Ah, je crois qu'il y a eu un rush kit là. Par contre, du coup, non, à part ça, j'avais un placement en diamant. Et puis, j'arrête, on fait pas de prendre feu depuis tout à l'heure, c'est. Falaval, arrête de le taper. Putain. Et Falaval, ta boule, le stuff. Il y a rien. Bon, il est où? Ah, mais... il est où spawner? Oui, bah, où ça là? Et tu peux parler, c'est plus simple. Hein. Il a sauté. T'es sérieux? J'ai pas poussé. Hein. Et donc, on perd quoi? Je sais pas.